Bonjour à tous, nouvelle histoire. Il s'agit de Yaakov. Yaakov, un chassid. Un chassid qui habite dans un village avec une belle synagogue. Et dans cette synagogue, lui, ce Yaakov, qui fait partie des gens les plus riches du village, son plaisir, c'est de retrouver tous ses amis à la synagogue. Alors à l'époque, il y a 300 ans, les synagogues étaient réparties de manière un peu curieuse, à savoir qu'il y avait le côté est et le côté ouest de la synagogue. Les gens riches s'asseyaient du côté est, les gens aisés, les bourgeois, et les pauvres avaient leur place en face de l'autre côté, du côté est. Et Yaakov, lorsqu'il venait à la synagogue le Shabbat, son plaisir, son grand plaisir, était de faire profiter tous ses amis autour de lui lorsqu'il sortait sa boîte de tabac en argent pour justement faire profiter ses amis et renifler le tabac comme on le fait à la synagogue le Shabbat. Et donc un Shabbat où il se trouvait à sa place avec tous ses amis riches autour de lui, il sortit sa boîte de tabac. Et du côté est de la synagogue, il y avait un autre juif, un des juifs qui était assis sur le banc des pauvres et qui adore le tabac, à priser. Il voit cet homme-là sortir sa boîte de tabac et dans un élan spontané, il le voit distribuer autour de lui, tout le monde prendre une pincée de tabac à priser. Il se lève et il s'avance pour lui aussi profiter de ce tabac-là. Et là, il se passe quelque chose de très curieux. Au moment où le pauvre s'avance pour tendre la main pour prendre une pincée de son tabac, eh bien, de manière instinctive, Yaakov, le riche, clac, pousse avec son doigt et referme la boîte de tabac. Et le pauvre se retrouve comme ça, la main tendue, et la boîte qui se ferme devant lui et tout le monde le regarde. Et là, à ce moment-là, la honte que ce juif-là essuie à ce moment-là, on raconte dans l'histoire qu'il s'est vidé de son mazal. Son mazal s'est vidé à l'intérieur de lui. Et étant donné qu'il était vide, l'histoire nous raconte que le mazal du riche s'est introduit à l'intérieur de lui. Et le pauvre, son mazal est parti remplir celui du riche. Leurs mazals se sont inversés. Mais ça, il ne le sait pas encore. Dans les jours à venir, les semaines à venir, eh bien, les choses se font. Le riche commence à descendre, il commence à rater des affaires, il commence à perdre sa fortune petit à petit. Et le pauvre commence à réussir des affaires. Et il récupère doucement, doucement, il grandit. Et au bout de quelques mois, eh bien, le pauvre est devenu très riche. Et le riche est devenu très pauvre. Alors, pour les reconnaître, on va les appeler le nouveau riche et l'ancien riche. Et donc, au bout de quelques mois, comme je vous raconte, l'ancien riche n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et la honte de devoir taper aux portes des gens qui l'ont connu dans toute sa richesse, il ne peut pas le supporter. Et donc, il décide de se joindre à une troupe de pauvres qui sillonnent la région de village en village pour demander l'aumône. Il se joint avec eux et il part sur les routes. Mieux vaut cela que la honte de rester dans son village et devoir demander de l'argent à ses connaissances. Les mois passent et la troupe de pauvres arrive dans la ville de Mézibouj. Et là, elle s'avance, elle arrive donc devant la maison du Baal Shem Tov qui habite à Mézibouj. Et l'habitude en ce qui concerne la distribution de tzedaka chez le Baal Shem Tov était de telle manière. Le secrétaire du Baal Shem Tov recevait les pauvres et il y avait une caisse déjà préparée à l'avance où le secrétaire puisait de cet argent du Baal Shem Tov et distribuait de manière égale à tous les pauvres qui venaient demander l'aumône. Par contre, s'il y avait parmi eux un pauvre qui avait une demande spéciale,
Alors, il devait attendre, laisser les autres partir, attendre le temps que ça prendra, et à ce moment-là, le Baal Shem Tov l'introduira auprès de lui pour écouter sa demande spéciale. Et donc, l'ancien riche, qui estime que les petites pièces qu'il a reçues avec la troupe ne lui suffisent bien entendu pas, il décide de rester et dit « Moi, j'ai une demande spéciale à faire auprès du Baal Shem Tov ». Et donc, les autres s'en vont et lui attend une heure, deux heures, au bout de la troisième heure. Le secrétaire lui dit « Maintenant, le Baal Shem Tov est prêt à te recevoir ». Il entre chez le Baal Shem Tov et il lui raconte toute son histoire, c'est-à-dire il ne sait pas encore pourquoi il est devenu pauvre. Il lui raconte sa vie des six derniers mois et comment il a tout perdu. Le Baal Shem Tov écoute. Il lui dit « Dis-moi, Yaakov, il ne s'est pas passé quelque chose de particulier ?»« Non, Rabbi, je ne me souviens pas de quelque chose de particulier. » Il dit « Essaye de te rappeler. Un Shabbat. Ta boîte à tabac. » « Oui, ma boîte à tabac, bien sûr. Je me souviens. Ce Shabbat où tu distribuais du tabac à priser, le pauvre qui est venu tendre sa main pour prendre du tabac, tu te souviens ?»« Oui. Tu te souviens de ton doigt qui a poussé la... et fermé la boîte à tabac devant lui ?»« Oui, Rabbi, je me souviens. » »« Eh bien, sache que à ce moment-là, il a récupéré ton mazal. La honte que tu lui as fait à ce moment-là a fait que vos deux mazalotes se sont inversés. Il a pris ton mazal, il est devenu riche à ta place et tu as récupéré le sien. Tu es pauvre aujourd'hui. » Dès qu'Yaakov entend ça, il se mortifie, il se met à pleurer. Il dit « Rabbi, Rabbi, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça ?» Et là, le Baal Shem Tov lui dit « Tu peux rien faire. Il n'y a rien à faire. Par contre, ce que tu pourras faire, c'est retourner dans ton village et te poser devant lui, le nouveau riche, et tu lui demanderas du tabac à priser. S'il te refuse, tu récupères ton mazal. Par contre, s'il t'en donne, tu le perdras définitivement. » C'est tout ce que le Baal Shem Tov lui dit. Et Yaakov tente le tout pour le tout. Il retourne, il voyage, il marche, il retourne vers son village. Et précisément, à l'époque où il revient dans son village, le nouveau riche marie sa fille. Il marie sa fille, il avait préparé une très grande fête, il a invité tous les pauvres de la région qui sont venus, ils avaient une table spéciale. Et le nouveau riche se trouve avec tous ses invités, la kala, le khatan, et la fête bat son plein. Et lui, l'ancien riche, est là avec les pauvres à table et il attend. Il attend, il attend, il attend. Il attend le moment opportun. Quand arrive la fin de la soirée, la fin du mariage, le nouveau riche part sur la piste danser avec le ratan. Il danse avec le ratan et là la joie est à son comble. Et là, Yaakov attend jusqu'à un certain moment où le nouveau riche est en train de danser. Il le rejoint dans la piste, il se met devant lui avec beaucoup de force et lui dit « Donne-moi du tabac !» Et là, l'ancien riche s'arrête, le regarde et lui dit « Bien sûr, tiens !» Et là, Yaakov s'évanouit. Il s'évanouit. Tout le monde vient autour de lui, essaie de le ranimer. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Tu te sens pas bien ?» Et lorsqu'il ouvre les yeux et qu'il revient à lui, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il lui raconte, au nouveau riche toute l'histoire, l'histoire de la boîte à tabac, la boîte à priser du Baal Shem Tov. Et là, le nouveau riche entend cette histoire, lui dit « Écoute, je suis désolé pour toi, mais il y a une chose que je peux faire pour toi. Sache que d'ores et déjà, depuis aujourd'hui même, tu n'auras plus jamais besoin de rien. Je te ferai construire une maison et tu seras à mes côtés et tu auras toujours ta subsistance jusqu'à la fin de tes jours. Je ne te laisserai jamais tomber. » Voilà pour l'histoire. Il y a pas mal de choses à réfléchir sur cette histoire. Mais là, maintenant, elle est terminée. Je vous dis à plus, à la prochaine.